Je suis la cofondatrice de Kidigo. Kidigo, c'est un service d'accompagnement d'enfants dans le train, l'avion, le bus, qui est en fait une plateforme collaborative sur laquelle on va mettre en relation des parents qui doivent faire voyager leurs enfants seuls avec des voyageurs qu'on va appeler les kidisitters, qui cherchent à réduire le coût de leur transport et qui vont veiller sur un enfant pendant leur voyage. Un dirigeant d'entreprise, il faut qu'il écoute énormément ses clients. Nous, on a construit l'ensemble de notre plateforme Kidigo en écoutant les retours des parents et des voyageurs. Et c'est pour moi hyper important parce que c'est finalement eux qui vont utiliser le produit ou service, donc il faut qu'ils en soient contents. Aujourd'hui, on fonctionne sur le train et l'avion. Demain, on ouvre la plateforme Kidigo au bus. Donc c'est tout nouveau. On va également développer une application mobile qui devrait sortir courant de l'année pour permettre aux parents et aux voyageurs de trouver des trajets de dernière minute. Et après, pourquoi pas partir vers l'international parce qu'on a déjà des trajets qui sont faits vers les grandes villes européennes. J'adore voyager, donc je suis toujours en vadrouille, très peu souvent chez moi. Sinon, je suis très sportive, j'aime beaucoup le ski, le sport de montagne, c'est pour ça que je suis à Lyon. J'aime aussi beaucoup les sports collectifs, donc je fais beaucoup de basket.